Est-ce que Jovenel Moïse, comme président de la République, va faire partie de cette transition? Ou bien est-ce que le papa fait partie de la transition? On a les souffert. Il y a une mission politique des Nations Unies qui doit arriver en Haïti en octobre. Mm-hmm. C'est la mission intégrée, c'est ça? Oui. Bureau intégré. Ouais. C'est les Nations Unies, je vais me chercher encore. C'est important, madame, M. Bouxan a parlé de nos besoins justement qui nos missions, c'est très important. Ouais. Parce que l'intégration, le mot intégration veut dire quelque chose. Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, vérifiez pour nous, s'il vous plaît, et José Lexidor. Et c'est en octobre. Ouais. Pour remplacer la mine juste. Comme si il y a des gens qui prennent ça, comme si à la légère. Il y a des gens qui ne peuvent même rendre compte. Non, on dit beaucoup. Ok, que non, on dit un paquet de bagailles. Ouais. Non, on dit beaucoup. Ok? Faut nous verrer là parce que nous. BINU. Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. En Haïti. Ok, BINU. B-I-N-U-H. Mm-hmm. Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Ouais. Le mot intégration veut dire quoi? Un bureau intégré, c'est quoi? Et soit regarder nos missions bureau. Ouais. Je ne sais pas si tu as la mission. Mission. Alors, on a parlé de mission. Tâche liste, ça va le dire. Justement, on a la mission. Pour le faire dans le pays. Comprenez, hein? Madame, monsieur. Ouais. Et alors, préserver et favoriser un environnement pacifique et stable. Ok. Préserver et favoriser un environnement pacifique et stable. Conseiller le gouvernement sur les moyens de faciliter un dialogue national sans exclusive. Sans exclusion, entre les acteurs politiques. Donc, les gagnants, il y a une fatigue là-dedans, nous t'ai fixé et nous t'ai parlé de différents et missions, le rôle que vous avez pour faire dans le pays. C'est alors entre autres missions que vous avez pour faire, mais tout l'autre dit, j'en dis là, intégrer, est-ce que c'est pas dans chaque bureau de l'État, dans chaque institution, intégré des Nations Unies? Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Ok, est-ce que Jovenel Moïse ne fera-t-il pas partie de cette transition, en douceur que nous-mêmes nous prévoit dans matin débat à partir de l'étude de la situation politique, madame, monsieur? Alors, il est très important pour nous comprendre ce qui va passer là, je veux dire là. À cette première partie, il faut regarder des missions, il faut regarder des tâches spécifiques pratiquement, donc, et missions politiques là. Ouais. Et deuxièmement, il faut regarder tout. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur Haïti, le dernier rapport. Oui, le rapport ça qui fait couler beaucoup de temps. Que nous... Et le rapport ça, madame, monsieur, le secrétaire général des Nations Unies, il est clair de tout que, il prévoit capable de gagner un éclatement social dans le pays. On a la donne. On a la donne, madame, monsieur. Je prévois capable de gagner un éclatement social dans le pays. Madame, monsieur, qu'a fou pour nous veiller pour nous arriver la donne? C'est qu'a fou côté que c'est les gouvernements qui vont aller au niveau du Parlement. Si le gouvernement ça passe. Si le gouvernement ça passe. Ah oui, si le aller. Si le gouvernement aller. Si le gouvernement ça passe. Il y a un vote de ratification. Il y a un vote de confiance. Devant le Sénat également, devant le député. Eh bien, l'eau va couler douce pour le président Jovenel Moïse. L'eau va couler douce pour le président Jovenel Moïse. Et ça fait que hier, dans l'émission, on a dit Jovenel Moïse, dans le moment où on a parlé là comme président de la République, même souligné dans le pied la baille pour le gouvernement capable de passer au niveau du Parlement. Maintenant, la question. Est-ce que Sylvain baille toute sale gagne, même souliers non pile, chemisette qui souli, slip qui souli, chemise qui souli, quand même s'il baille, est-ce que là, quand même, il y a chance pour le gouvernement ça qui passe au niveau du Parlement? Madame, monsieur, si le gouvernement ça pas passé, dans qui ça, Jovenel Moïse Palier? Et c'est là. Eh bien, on va commencer à demander dans qui ça le parler parce que. Et signe. Je dis, si on avant gardé si on a montré que il n'y a pas trop de rose pour M. William. Mais pas oublier. Alors, on a tension commencé à baisser pour M. William. Et on voit que l'opinion commence à changer. Donc, pour
Jean-Fritz William et son cabinet. Opinion comme ça, c'est un petit peu. Non, c'est pour un groupe 4 là qui passe, qui campe. On parle d'opinion. Alors, le public là, global. Dans la population. Nous sommes capables de manquer ça. Dans la population, on voit que l'opinion commence à changer pour M. Fritz et Fritz Michel William. Opinion commence à changer. Mais maintenant, le débat qui est là seulement, c'est au niveau du Sénat, également au niveau de la Chambre des députés. C'est là qui pratiquement pour le débat. Maintenant, le groupe des quatre là, qui position va gagner? Il proposition déjà. Il va Yuri Latortu qui est en proposition. Il y a Sorel Jacinthe qui prend position. Il y a sénateur de l'Ouest et Patrice Dumont. Jusqu'à bon, ça n'a pas de problème. Bon, le bagage n'a pas de problème. Non, attendez. Écoutez, dans une majorité, il y a des pour et des contre. En fait, dans une assemblée, il y a des pour et des contre. Pour l'instant, c'est là que justement, M. Balgué position, même la dernière fois, il a gagné là, il a empêché ces séances en fait même. Maintenant, dans une, il a gagné une question d'éligibilité qui était posée pour la paix, avec question ministre qui était qui fait partie des anciens gouvernements.